Dans le cadre de la lutte contre la contrebande, le trafic de drogue, la brigade de la douane d'Ali Sabia, en collaboration avec la police, a saisi hier une importante quantité de sachets de cannabis à la frontière Galilée. Par la suite, les contrebandiers ont été arrêtés et transmis au poste de police d'Ali Sabia pour l'ouverture de l'enquête. Compte tenu de la gravité des faits, les personnes mises en cause seront traduites devant la justice pour répondre de leurs actes. Et toujours dans le cadre de la lutte contre la contrebande, des membres de la brigade de la douane, en collaboration avec le détachement de la police de la région d'Ali Sabia, ont intercepté dans la journée du 15 octobre dernier à la frontière de Galilée toujours une importante marchandise de toutes sortes de contrebande en provenance de l'Éthiopie. Ces interceptions de produits illégalement introduits sur le territoire national s'inscrivent dans le cadre des actions de lutte menées contre la contrebande de toutes sortes. Pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de cat non autorisées et importées donc et à vendre dans les marchés nationaux sont saisies et brûlées par les corps en uniforme. La marchandise saisie dernièrement à cette occasion a été composée de 40 colis de cat dont le poids total était estimé à 3150 kg de cat, des dizaines de cartons de boissons alcoolisées et autres des importations dont l'État ne perçoit aucune taxe. D'ailleurs, ce sont des produits transportés par des trafiquants sans scrupules qui contournent souvent les postes frontaliers partout sur le territoire national. D'ailleurs, ce sont des produits transportés donc par des trafiquants et cela représente une menace réelle pour l'économie de services de notre pays et du fondement étatique. C'est ce qu'a déclaré donc le chef de la douane locale.